Turcot d'Arcos sur la feuille. Il y a des nouveaux dossiers. Je suis sûr que ce soir, je vais apprendre aussi de vous. C'est quoi? C'est quoi? Il n'a rien vu. Voici les images. Jésus. Mais deux, je ne vois toujours rien. Il y a eu quoi? Va. Vous êtes jaloux de Steve Fa. Hé, hey, grand, qu'est-ce qui se passe là, non? Vous êtes jaloux de Steve Fa. Hé, hey, grand, tu parles de quelle jalousie là? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi donc être jaloux de Steve? Maintenant, ça doit devenir du œil pour œil, dent pour dent. Le courage, vous n'avez pas. Ah bon, hein? Le courage, vous n'avez pas. Je me demande encore ce qui s'est passé pour que ça arrive à ce niveau-là. Steve Fa vous a fait quoi? La mère, pardon, réponds alors, il a fait quoi? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. Ah, ok, maman, dis-nous alors, qu'est-ce que Steve a fait? Tu crois que les gens sont de. Sont à cause. Non, maman, ça va, arrête comme ça. Hé, hey, Aïcha, explique-nous un peu la situation, pardon. Tu es aveugle, n'a chaud. Maman, tu m'insultes seulement. Vous voulez souvent provoquer les gens. Après, quand on vous met à votre place, vous dites qu'Aïcha insulte. Non, je demandais seulement ce qui s'est passé à Bruxelles pour qu'on verse la farine sur la tête de Steve. Vous en voulez à Steve Fa. Soi-disant, il mange l'argent du contribuable camerounais. Hé, hey, Ibrahim. C'est vrai que Steve Marie l'argent du contribuable camerounais. Steve Fa est un influenceur camerounais. Non, tout le monde connaît cela et quoi d'autre? Steve Fa est un web humoriste camerounais. Là aussi on sait. Et Steve Fa c'est un homme très impliqué dans la politique camerounaise. Godness! Bro, tu es sûr de ce que tu dis là? Du jour au lendemain, Steve Fa, sans avoir fait une école de politique, s'est découvert la politique. Et il soutient de pied ferme la politique en place. Quoi? Et il soutient de pied ferme la politique en place. Hey bro, pardon, arrête à ce niveau. Hey, Massa, pardon, je veux voir mes enfants grandir. Tu as les preuves? Je veux voir les preuves. Ça, c'est clair. Aïcha, comment tu trouves l'acte de la base envers Steve? Je condamne cet acte. Surtout qu'il ne t'avait pas aussi raté. Hein? Yeah. Vraiment, je suis étonné. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. C'est vraiment de la gâchis, ça. Mais mon frère, c'est quoi? C'est venu la dictature. Moi-même, je m'interroge, ma soeur. Je ne sais même pas par où commencer. Aïcha, je veux savoir réellement ce qui s'est passé. C'est quoi le problème? La fois passée, vous m'avez versé la farine. On a dit que c'était le complot. J'ai dit ok, ça va. Après, c'était qui d'autre? Après, c'était avec Tata Lolo Fondia. Vous avez donné que les coups de poing. J'ai dit que rapa. Et voici maintenant venu le tour de... Maintenant, c'est sur Steve Fa. Vraiment, c'est malheureux. La mère, c'est vraiment malheureux, hein. À qui le tour maintenant? Point d'interrogation. Vous faites ça parce que c'est Steve Fa. Ingram, tu veux nous faire comprendre qu'ils ne peuvent pas faire ça à qui d'autre? Essayez ça sur ton on voit. C'est vrai. Hey, sur qui, tonton? Essayez ça sur ton on voit. Essayez ça sur Krabal, on voit. Ah, ok. Moi-même, j'attends ça impatiemment, hein. Tu vas lire, mon ami. Maintenant, c'est Bamileke de la diaspora. Tout est gâté. Hey, Amé Kamé, tu as dit à qui? À ces Bamileke de la diaspora que quand vos frères font des axes, vous ne répondez pas. Toi, ton problème, c'est même quoi? C'est quoi avec toi? Ah, non, tout ton bavardage depuis là, c'était pour chuter sur les Bamileke après. Tu es sûr que Steve n'est pas Bami? Maintenant, vous allez dire quoi? C'est la politique? Hey! T'es trop bête. Apparemment, il est vraiment bête. Hein. Non, c'est déçoignant, je suis déçu. Je me demande, Steve est allé faire même quoi à Bruxelles? Pour une rencontre d'échange et de partage d'expériences avec les étudiants et les travailleurs camerounais vivant en Belgique, en fait. Mmh! Yeah, yeah! Ah, je comprends aussi maintenant. Et toi, Amé, c'est quoi ton problème avec les Bamileke? Il faut venir quand c'est moi. Vous parlez quoi? Non, grand, laisse. Il est trop fort. Amé, si c'est toi, tu vas faire quoi? Il faut venir. Je vais percer l'œil de quelqu'un. Yeah. Hey, grand, tu dis quoi? Je vous dis, moi, règlement de compte, je prends vos sons au Cameroun. Je les en banane. Hey, non, grand, là, tu es vraiment en train d'exagérer. Laissons la haine et confusons ensemble notre cher et beau pays, grand frère. Je te dis que... S'il veut faire le présentateur de Cameroun... Là, je suis au moins d'accord avec toi. Est-ce que vous connaissez le travail que Steve Fa fait pour la CAN au Cameroun? Nous tous, on l'a vu, non? Et je suis sûr qu'on n'a même pas payé Steve Fa. Hé, hey, grand, tu dis quoi? Et je suis sûr qu'on n'a même pas payé Steve Fa. Hé, laissez-le.
continuons avec autre chose, pardon. On vous a dit que le gouvernement a aidé les gens. Ouais, grand, j'ai dit qu'on passe à autre chose, s'il te plaît. Le gouvernement a aidé qui on a vu. Ouais, grand, passons à autre chose, non. Le gars se bat tous les jours avec ses petits moyens visuels. Aujourd'hui, il a sorti Tara TV. Avant, il avait sorti les 3 minutes du peuple. Le gars se bat matin, midi et soir. Personne ne vient l'aider. Bon, ça va, ça va. Si tu ne veux pas changer de sujet, arrêtons la vidéo comme ça. Les gars, s'abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et partagez au maximum. S'abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.